Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds versés. Mon sauveur doit attacher. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est rejeté. On déclare le Église, aux gloires. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Gloire à toi, Dieu. Mais au matin, du troisième jour, oh yes, le Fils des yeux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Alléluia, quels sont ceux qui croient que Jésus reviendra pour nous chercher? Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia! J'ai la ferme assurance qu'il reviendra pour venir me chercher. Il reviendra de blanc vêtu, il va percer la nuit. Il va venir te prendre, il n'y aura plus de désespoir, plus d'angoisse, plus de douleur, plus de maladie, plus de mort. Rien ne pourra te séparer de son amour. Rien ne peut te séparer de son amour. Amen. Alors on va chanter ensemble. On va le déclarer. Il reviendra de blanc vêtu pour moi, pour son église, pour son épouse. Et je serai parmi les saints. Je serai parmi les saints pour chanter sa gloire. On y va ensemble. Alléluia. Il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra. Oh.
C'est bon, n'est-ce pas, quand nos cœurs explosent de louanges. La parole de Dieu nous dit que il y a eu un moment de louange dans la parole de Dieu qui est extraordinaire. C'est lorsque Paul et Silas sont en prison. C'est quelque chose que d'être en prison, les chaînes aux pieds et enfermés dans une cellule. Et la parole de Dieu nous dit que Paul et Silas faisaient monter des louanges à Dieu. Et alors qu'ils étaient en train de louer et d'adorer, alors il y a eu un tremblement de terre qui a fait littéralement ouvrir les portes des prisons. Et j'ai une théorie de pourquoi il y a eu un tremblement de terre. Je peux vous la dire ? Ça m'a pris 3 ans d'école publique pour vous dire ce que je vais vous dire. Je crois que Paul et Silas, alors qu'ils étaient en train de louer, leur louange n'était pas plaintive. C'était une explosion de louanges, à tel point que la Bible nous dit que les autres prisonniers les entendaient louer et adorer Dieu. Et je crois que la louange est montée, elle a dépassé le plafond de la prison, elle est montée jusqu'au ciel, jusque devant le trône de Dieu. Et Dieu aime la louange. Dieu aime entendre ses enfants le louer et l'adorer. Et alors que Dieu était assis sur son trône, la louange était tellement bonne, elle était tellement rythmée que Dieu a commencé à battre la mesure avec sa tête. Hey, c'est bon ça. Puis il a commencé à claquer des doigts. Et puis d'un seul coup, notre Dieu s'est levé et il a commencé à taper du pied. Oui, mais voilà, la terre est son marchepied et la terre s'est mise à trembler. Alors est-ce que vous êtes d'accord ce matin? On va faire trembler ce lieu par nos louanges et notre adoration. Sean!